aujourd'hui, il fait chaud. Il fait très chaud. Alors, je me suis fait ce petit cocktail rafraîchissant et j'ai décidé de rester à la maison. Parce que je suis capable de rien faire d'autre. Mais du coup, en pilant de la glace, je me suis dit, il y a une autre façon de me rafraîchir, c'est d'enregistrer une petite vidéo qui parle d'une créature de glace ou qui vit dans la glace. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du Wendigo. Fameux. C'est une créature finalement assez présente dans la culture pop, mais pas suffisamment pour qu'on en sache beaucoup. Le Wendigo, ou au pluriel les Wendikovacs, sont des créatures surnaturelles et c'est vraiment des sales bêtes. Le Wendigo est particulièrement violent et anthropophage. Anthropophage, ça veut dire pas vegan quoi. Il est apparu dans la mythologie des premières nations algonquiennes du Canada, et puis petit à petit, il s'est fait connaître dans toute l'Amérique du Nord. Les premières mentions du Wendigo ont été rapportées en Europe par des explorateurs et des missionnaires revenant de ces régions au XVIIe siècle. On parle du Wendigo dans plusieurs nations amérindiennes, avec autant de variations dans sa prononciation qu'il y a de tribus. D'ailleurs, le mot qui désigne cette créature n'est pas à proprement parler un nom, car ça reste flou et ça correspond à différentes choses en fonction des périodes et des nations. La traduction à peu près commune s'accorderait sur le cannibale maudit. Aucun animal ou créature ou mauvais esprit n'évoque une telle crainte chez les peuples autochtones. C'est un être surnaturel qui aurait une force psychique et spirituelle. Ouais, j'ai pas menti, hein. C'est du vilain, hein. Je vous ai appâté, hein. Basil Johnston, un membre de la tribu Ojibwa, qui est enseignant et chercheur en Ontario, a recueilli une description du Wendigo dans les légendes algonquiennes. Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os, avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites. Le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux, souillées de sang, de souffrance et de supputation de chair. Le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation et de décomposition, de mort et de corruption. Donc, du coup, pour alléger un petit peu, voilà, ça c'est un joli petit nounours. Il est mignon, hein. Comme ça, ça allège un petit peu l'épisode. Voilà. Il est associé aux vices de gourmandise, de cupidité ou encore en excès en tout genre. En fait, il lui en faut toujours plus. Le Wendigo n'est pas satisfait d'avoir boulotté sa victime. Non, non, car sa faim est insatiable et sa liste de morts ne s'arrête jamais. Parmi les Ojibwés, les Cris de l'Est et les Innus, on ajoute aux Wendikovacs la caractéristique d'être des géants, plus grands que les êtres humains, une caractéristique absente de la légende dans les autres cultures. La créature ferait son apparition lors de vents froids et pousserait des cris et des hurlements terribles. Certains racontent qu'il serait même fait de glace. En tout cas, on dit que son cœur est de glace suite à un cœur brisé par un autre humain. Selon les sources, on oscille donc entre un genre de bête qu'on pourrait rapprocher du loup-garou pour son côté ancien humain, un hominidé monstrueux rappelant le Sasquatch et un genre d'immense être glacé squelettique. Son haleine répandrait des maladies et il pourrait parfois se transformer en ouragan. Bon, tant qu'il y est, hein. Plusieurs lacs et lieux portent le nom de Wendigo, ou un nom qui s'en approche. C'est donc difficile de savoir où est apparu le premier récit de cette créature. Il vit principalement en forêt, et il est plutôt associé à l'hiver et à la famine. Il semblerait qu'il repère ses proies le jour déclinant pour les dévorer la nuit. Il aurait une préférence prononcée pour la chair humaine, mais il lui arriverait de manger du bois, de la mousse, et parfois des champignons putréfiés. Très bon équilibre alimentaire. Les légendes, bien que différentes, possèdent un contour similaire en ce qui concerne la façon de devenir Wendigo. La cause la plus fréquente serait le recours au cannibalisme par un humain. Des chasseurs ou des promeneurs perdus depuis trop longtemps et en état de famine, surtout durant les rudes hivers, y sont contraints et se transformeraient ainsi en cette terrible créature. La deuxième cause fréquente, hein, serait la possession par un esprit démoniaque alors appelé Wendigo. Dans cette version, le Wendigo originel serait donc une ombre qui rôde parmi les arbres. Les hôtes sont alors possédés et ils ont de plus en plus envie de chair humaine jusqu'à consommer les autres ou leur corps et de muter de façon hideuse. Cette deuxième cause pourrait elle-même être à l'origine d'une malédiction de chaman ou le résultat d'un rituel de transformation. Vous l'avez compris, c'est une personnification du mal ce truc. Vient donc la question de savoir comment la combattre. Petit tuto. Bien que particulièrement impressionnant, les Wendikovacs ne sont pas immortels et peuvent être tués de différentes façons. Déjà, vous pouvez l'abattre d'une balle en argent. C'est toujours pratique d'en avoir une sur soi parce que ça marche aussi sur les loups-garous, donc deux en un, bon plan.
Si la transformation du Wendigo n'est pas complète par son hôte lorsque vous le rencontrez, vous pouvez brûler le corps dans de la cendre. Mais je déconseille parce que en cas d'erreur, c'est chaud quoi. Sans jeu de mots. Ah bah si en fait. Si. La solution la plus simple reste de faire fondre son cœur de glace. Alors pas de lui montrer des photos de chatons, hein, non. Mais littéralement. À coup de napalm, quoi. Ou avec de la graisse brûlante, d'après les légendes. Moi, perso, c'est le napalm. Dans certaines traditions, l'homme qui est dominé par la cupidité pourrait se transformer en Wendigo, le mythe, devenant ainsi une façon de prôner la coopération et la modération. Pour les plus sceptiques d'entre vous, vous dites que ce n'est qu'un mythe et que ça n'a pas de fondement réaliste. Eh bien, vous auriez tort, mes amis. Parce que dans chaque mythe, il y a toujours une dimension réelle. Une théorie particulièrement intéressante explique que chez les tribus algonquins, le cannibalisme, même pour sauver sa propre vie, c'est un tabou. Peut-être une sorte de garde-fou, de ligne rouge à ne pas dépasser pour ces tribus confrontées à des hivers particulièrement rudes et longs qui rendent la chasse à cette période particulièrement difficile. Un enfant de moi. Car oui, la description du Wendigo, de ses déformations physiques notamment, pourrait rappeler un corps marqué par la famine et les engelures, créant une silhouette squelettique sans lèvres ni orteils. En tout cas, une cérémonie pour rappeler le danger du Wendigo et du cannibalisme, avec un nom que je ne tenterai pas d'essayer de prononcer, a bien existé chez les Assiniboine, les Kris et les Ojibwa. Dans cette cérémonie, les danseurs portent un masque et dansent au rythme du tambour. On parle aussi de psychose du Wendigo en psychologie. L'anthropologue Morton Teicher décrit cet état par des signes et des tendances cannibales pour un patient faisant preuve d'un comportement violent et asocial. Cependant, d'un point de vue scientifique, l'existence de ces psychoses reste encore très controversée. Ouais, il a l'air de faire meilleur. Écoutez, j'ai fait le tour de Wendigo. J'en profite pour mon petit proverbe, apparemment français. Si l'hiver est froid et rigoureux, ton ventre à table, ton dos au feu. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je vais me lire un bouquin. Et pile sur la bonne page. C'est fini, hein.